Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur La Brèche. Sur La Brèche ce soir, monsieur Luc Marius Ibriga, juriste, enseignant, chercheur, contrôleur général d'État à l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SEULC. Bonsoir, monsieur Ibriga. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur Ibriga, c'est la deuxième fois que vous passez sur ce plateau. On ne va pas revenir sur votre carrière et sur votre parcours personnel. L'événement, bien sûr, qui est au cœur de tous les débats aujourd'hui au Burkina Faso, c'est bien sûr le coup d'État du 24 janvier dernier. Alors, un coup de force militaire qui a mis fin au régime du président Roch Kabore. Voilà, vous déjà, comment vous avez accueilli ces événements du 24 janvier, ce qui était au départ présenté comme des mutineries, des mouvements d'humeur dans quelques casernes. Finalement, c'est révélé être un coup de force militaire. Je pense que c'est avec tristesse. Avec tristesse, parce que quand on est dans un régime démocratique et que le coût des événements de la gestion de l'État est interrompu par un coup d'État, c'est une tristesse. Parce que on ne peut pas justifier l'avènement d'un coup d'État. Un coup d'État ne se justifie pas. Il y a des mécanismes de résolution des problèmes que la Constitution a prévus. Des éléments peuvent expliquer l'avènement d'un coup d'État, mais elle ne peut pas justifier le coup d'État. Dans ce cas présent, est-ce que vous pensez que à la lumière, parce que beaucoup ont dit qu'ils n'ont pas été surpris par ce qui s'est passé, à la lumière de la dégradation de la situation, surtout sécuritaire, mais également du climat et de l'atmosphère politique et sociale qui était également en train de se dégrader au fur et à mesure, est-ce qu'à la lumière de cela, vous faites partie de ceux qui n'ont pas été surpris par ce qui est arrivé le 24 janvier ? Non, je pense que les éléments laissaient voir qu'il y avait une crise, sociopolitique au niveau de notre pays, et c'était manifeste dans la mesure où déjà on a eu dans les jours qui ont précédé à éventer des coups d'État, un coup d'État, et donc ça montrait bien qu'il y avait un malaise au sein de l'armée, et ce malaise au sein de l'armée semblait avoir été quelque peu jugulé, mais on s'est retrouvé dans une situation où des successions d'événements en ce qui concerne les questions sécuritaires ont conduit à une certaine exaspération de la population. On a vu Inata surtout. Voilà. Et qui, en fait, quand vous regardez avec le recul, montre bien que ce sont des événements qui et ne relève pas de la responsabilité fondamentale directe du chef de l'État. C'est vrai que, en tant que chef d'État-major, général, chef suprême des armées, il a la responsabilité. Mais quand vous regardez les dysfonctionnements qui ont conduit à Inata, ces dysfonctionnements ne sont pas des questions de ressources qui n'ont pas été mises à la disposition et des questions de moyens. Donc, ça veut dire que quand les militaires disent qu'ils ont pris leurs responsabilités, moi je dis non. Leur responsabilité n'est pas de conquérir le pouvoir d'État. Leur responsabilité, c'est d'assurer le respect de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Et à ce niveau, ils doivent eux-mêmes balayer devant leur porte avant de jeter l'anathème sur les autres. Donc, ce coup d'État est intervenu et dans l'opinion, l'exaspération a conduit à une sorte d'attentisme vigilant. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu, parce qu'on a vu d'abord la facilité avec laquelle ce coup d'État a été mené, il n'y a pas eu de résistance même politique. Parce qu'on s'attendait peut-être, parce qu'on avait une majorité assez large, avec bien sûr les partis, il y a le MPP, on a l'UPC, on a plus de 100 partis au sein de la majorité, mais
on a l'impression qu'il n'y a eu pratiquement pas eu de résistance mais politique. Cela explique le fait que nous avons des partis qui n'ont pas de militants. Ce sont ce qu'on appelle des partis attrape-tout, compte tenu des modalités de la compétition électorale dominée par l'argent. Parce que vous avez des personnes qui donnent leur suffrage ou qui adhèrent à un parti pour des intérêts privés et non pas pour une idéologie. Et quand on a regardé l'évolution après les élections, on s'est rendu compte que les lits idéologiques ont totalement été brouillés. On a les, alors, les libéraux qui ont rejoint. Qu'est-ce qu'il fallait défendre quel idéal fallait-il défendre? On se retrouvait dans une situation différente de celle de 2015 où il y avait un idéal à défendre, à savoir les idéaux de l'insurrection populaire, puisque le coup d'État s'avérait véritablement un coup d'État réactionnaire qui voulait remettre en place un régime qui avait été vomi par la population. Ici, on se rend compte, et c'est là une des questions fondamentales qu'il faudra résoudre, c'était de faire en sorte que les conditions de la compétition politique soient revues pour faire en sorte que l'argent ne joue plus un rôle fondamental dans la compétition électorale et dans l'accession au pouvoir. Mais comment vous expliquez l'approbation également? Il y a eu quand même, ce coup d'État a été accueilli par des liesses, les scènes de liesses pratiquement dans toutes les villes. Et en plus de cela, on a vu voilà, des manifestations par-ci, par-là. On a l'impression quand même qu'il y a eu un enthousiasme. C'est comme si véritablement... Non, je ne dirais pas un enthousiasme. On dirait, ce que je disais, il y a un attentisme vigilant. Il y a effectivement des manifestations et ça, c'est... est le propre de tout changement que des personnes qui appellent cela de leur vœu le fassent. Mais on n'a pas eu de raz de marée qui permettent de dire que véritablement ce coup d'État, comme certains veulent le dire, est un coup d'État salutaire. Dans la mesure où il n'y a pas de coup d'État salvateur, ça n'existe pas. La preuve, c'est que quand on fait le coup d'État, on vient, on n'a pas de programme. Tout est à construire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut construire la transition. Mais est-ce que ça peut être l'occasion, comme beaucoup également le disent et l'espèrent, d'un nouveau départ vers des lendemains qui chantent pour le Burkina Faso? Oui, cela peut être l'occasion d'un nouveau départ. Mais ça suppose que véritablement, on travaille à avoir un agenda très serré et ne pas commettre l'erreur de vouloir tout faire pendant la période de transition. Il y a des domaines qui ont un effet d'entraînement, il y a des domaines qui doivent toucher à l'esprit des Burkinabés que le changement doit être opéré, mais si on abandonne ces domaines pour s'occuper du domaine secondaire, on risque fort de retomber dans les mêmes travers. On va y revenir certainement. Il y a aussi le sort de l'ancien président, Roch Kabore, qui bien sûr, aux premières heures de ce coup d'État, était un gros sujet de préoccupation, autant à l'interne que également à l'international. Aujourd'hui, les uns et les autres sont quand même rassurés sur le sort du président, qui à plusieurs reprises a eu l'occasion donc de rassurer qu'il est bien traité et que véritablement son intégrité n'a pas été d'une manière ou d'une autre touchée. Et voilà, comment vous réagissez à cela? Est-ce que ça... Moi, je pense que cela, ça participe de la civilité politique et qui est que attenter à la vie du chef de l'État est une opération, je dirais, barbare. Certes, on l'a connu au Burkina Faso, mais on voit aujourd'hui
que des procès sont organisés contre ceux qui, lors d'un coup d'État, ont ôté la vie à un certain nombre de personnes. Donc, j'ai dit, c'est une civilité politique. Et de ce point de vue, il n'y a pas de raison que, même si, à mon sens, la démission du chef de l'État a été faite selon des procédures qui ne sont pas des procédures orthodoxes, ben, on considère que le moins que l'on puisse faire, c'est de sauvegarder sa santé. Est-ce que vous avez le sentiment également que le président était gagné par la lassitude? Certains estiment aussi que finalement, on a un président qui semblait être arrivé quand même, était un peu lassé par le pouvoir, par l'incapacité de trouver des réponses vraiment à des problèmes. On a essayé tellement de... Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un président qui était lassé. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un président dont le système de management était dans ce que l'expression que je peux ainsi utiliser, hâtez-vous lentement. Or, il y a des moments où on ne peut pas se hâter lentement, il faut aller vite. Et c'est cela, surtout, qui, appliqué dans divers domaines, ont conduit à cette évolution et à cette exaspération. Comment en est-on arrivé là? Quand on regarde finalement, parce que l'insurrection, c'était en 2014, 8 ans après, ça veut dire moins d'une décennie, 2 élections, en tout cas, qui ont reçu l'onction au niveau international, au niveau national, pour la qualité, bien sûr, des opérations électorales. Un président réélu avec 57% des suffrages, quand même, c'est une majorité confortable. Comment on peut expliquer que malgré véritablement ces éléments qui sont de nature à conforter la marche de la démocratie, on en soit arrivé là? Mais comme je vous ai dit premièrement, c'est par rapport à la nature de notre système de compétition politique dans lequel l'argent joue un rôle fondamental et qui amène à ce que celui qui a le plus d'argent gagne les élections. Mais il y a une constante dans toute gestion du pouvoir d'État, c'est la satisfaction des besoins primaires des populations. Or, le besoin de sécurité était devenu tellement prégnant qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution, d'autant plus que plusieurs attelages ont été tentés, plusieurs modifications au niveau de l'armée ont été faites, et il n'y avait pas de résultat. Et donc, la hantise au niveau de la population par rapport à la capacité de ceux qui gouvernaient à résoudre leurs problèmes était un point d'interrogation. Mais le chef de l'État avait repris la main après son discours d'Inata. Malheureusement, la réaction que l'on attendait après le discours d'Inata a encore tardé. Et les lenteurs mises dans l'exécution de certaines des décisions qui avaient été prises, et notamment concernant l'opération main propre, ont amené une certaine opinion à exploiter cela comme étant l'expression d'une incapacité à gouverner. Mais selon vous, comment on peut expliquer cette lenteur? Vous avez parlé, bien sûr, du tempérament même du président Roch Kabore, mais au-delà du président Roch Kabore, c'est quand même, ce sont des institutions, c'est tout un appareil qui est là. Alors comment on peut expliquer que malgré bien sûr cette vague qui est en train donc de venir, on ne puisse pas réagir comme si on était dans une sorte de léthargie? Non, parce que au départ, on a minimisé le problème de l'insécurité. On l'a minimisé et ensuite, on s'est rendu compte que la question était une question fondamentale, mais on était dans l'impréparation. Cette impréparation
que ce soit au niveau de notre armée ou que ce soit au niveau des gouvernants, est un élément fondamental. Et on oublie, et ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, on oublie que notre armée a été déstructurée du temps du régime de Blaise Compaoré, avec la mise en place du RSP, mais le reste de la troupe avait été délaissée. Et il se trouve que, brusquement, cette troupe-là devrait aller au front. Même le RSP n'était pas une structure de lutte contre le terrorisme. On disait que c'était une troupe, mais c'était une garde prétorienne. Son rôle n'était pas... Et même, il y a des preuves, il y a des éléments qui prouvent bien que ce RSP était plutôt une structure d'accompagnement d'activités criminelles au niveau des groupes terroristes. Alors, M. Ibriga, il y a eu la prestation de serment du lieutenant-colonel Damiba, le président du FASO. Alors, une prestation qui a été précédée d'une polémique suite donc aux décisions prises par le Conseil constitutionnel, au niveau bien sûr juridique. Alors, vous êtes un juriste, comment déjà vous avez apprécié cela? Non, je pense que là, le Conseil constitutionnel a statué ultra petita. C'est-à-dire, ils sont allés au-delà de ce que l'on devait faire. Le Conseil constitutionnel devait simplement constater la vacance du pouvoir. Et même dans le constat de la vacance du pouvoir, pour moi, le Conseil constitutionnel aurait dû lui-même vérifier auprès du chef de l'État, puisqu'il est toujours vivant, que c'est librement qu'il a démissionné. Parce que le chef de l'État n'a pas à rendre sa démission entre les mains du MPCR. Il a à rendre sa démission soit en s'adressant au peuple, soit dans une institution de la République. À ce que je sache, jusqu'à présent, le MPCR n'est pas une institution de la République. Donc, Il y a eu l'acte fondamental quand même. Non, l'acte fondamental est un acte qui est inférieur à la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel avait la possibilité de vérifier la constitutionnalité de l'acte fondamental, et notamment la disposition de l'acte fondamental qui précise que l'acte fondamental, en cas de condamnation, est supérieur à la Constitution. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir plusieurs constitutions dans l'État. Et d'ailleurs, le MPCR lui-même s'est rendu compte de son erreur, puisque dans les premiers décrets, il mettait l'acte fondamental en premier, la Constitution en deuxième position. Ils se sont rendus compte que non, c'est la Constitution d'abord et l'acte fondamental après. Donc, de ce point de vue, il fallait encore vérifier que c'est librement que le chef de l'État a donné sa démission pour constater la vacance du pouvoir. Une fois la vacance du pouvoir constatée, il fallait simplement appeler les forces vives à doter le pays d'un document de transition. Mais on ne peut pas ignorer quand même ce qui s'est passé, le coup de force militaire. Non, le constat du coup de force militaire, il y avait deux possibilités. Soit que la situation de constater l'état, la situation de fait et la nécessité de la continuité de l'État permettent de gérer le pouvoir en attendant que les forces vives dotent le pays d'une charte. C'est ce qui s'est passé en 2014. C'est-à-dire, ici, l'écueil au Conseil constitutionnel, c'est qu'en 2014, c'est après avoir élaboré la charte que la suspension de la Constitution a été levée. Or, ici, comme la suspension de la Constitution a été levée avant, le Conseil constitutionnel s'est retrouvé dans la situation de devoir apprécier. Or, en acceptant la prestation de serment en ces moments-là, le Conseil constitutionnel a donné une décision qui accrédite le coup d'État comme mode d'accession au pouvoir, mode constitutionnel d'accession au pouvoir. Mais aujourd'hui quand même, parce que certains estiment qu'on était dans une situation d'exception, alors les militaires auraient pu continuer dans l'état d'exception, mais on a senti quand même que les militaires ont eu,
ont eu ce souci-là de pouvoir également avoir toutes les cartes juridiques en main pour pouvoir… Non, parce que la prestation de serment n'a pas de… La séparation entre la prestation de serment et l'investiture, juridiquement, n'a pas de sens. Si vous prenez la constitution du Burkina Faso, nulle part il n'est dit que le chef de l'État prête serment et est investi. C'est l'investiture. Et dans l'investiture, il y a la prestation de serment. Et donc, le fait de déconnecter les deux déjà montre qu'il y a peut-être une question d'avoir une sorte de légalité et d'assurer l'emprise du pouvoir. Mais quand vous lisez l'article 44 de la Constitution, vous voyez, on dit que c'est lors de l'investiture, la cérémonie d'investiture, que le président remet au Conseil constitutionnel sa déclaration de bien. Or, ici, on nous a dit que c'est une cérémonie de prestation de serment. Pourquoi le président a remis ? C'est bien. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a eu ce que j'appelle un bricolage juridique qui, en fait, ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Pourquoi ? Parce que ça pose un problème par rapport au travail de cette commission et de cette charte qu'on va adopter. Le président du MPCR, le chef de l'État, a prêté serment. MPSR. Voilà, MPSR a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution et l'acte 1. Donc, normalement, à l'investiture, il ne prêtera plus serment. Est-ce à dire qu'il ne s'engage pas à respecter et à faire respecter la charte? Donc, ça veut dire qu'on aura deux prestations de serment. Donc, on aurait pu faire l'économie de cette prestation de serment, constater, compte tenu de l'état de nécessité, un pouvoir de fait en attendant que l'acte de la transition soit adopté. Ben, ça, c'est vraiment des débats de juristes et de constitutionnalistes, M. Ibriga. Alors, on a vu cette cérémonie, bien sûr, et ce qui a créé la polémique à la fin de la cérémonie, c'est cette image des civils qui font partie du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Alors, deux civils qui étaient là, on a vu ça enflammer, bien sûr, les débats derrière. Alors, quelle est la lecture que vous en faites ? Non, je pense qu'en termes de communication, c'est une erreur. De communication politique, c'est une erreur politique d'avoir ainsi présenté les membres du mouvement et surtout de la présence de certains acteurs qui étaient des plus actifs sur la toile. Parler notamment d'Ibrahima Maïga, voilà, qui était aux États-Unis. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans l'opinion, ce qui était considéré comme la résultante de l'exaspération des populations, à savoir que les populations ont considéré que c'est compte tenu vraiment du marasme, etc., que ces personnes sont venues pour nous sortir de là, on se rend compte que véritablement, c'est quelque chose qui a été préparé. Et ça donne l'idée du complot. Et en ce moment, la conséquence que ça peut avoir, c'est que ceux qui ont été évincés du pouvoir se disent, mais en ce moment, pourquoi ceux-ci ont comploté contre nous ? Donc, ça peut générer la complotite au sein de la société et des risques. Mais ça a été démenti. J'ai vu Ibrahima Maïga a publié pour dire que… Donc, oui, il ne la filmera jamais. Mais quand on recoupe les informations par la suite et que l'on voit les informations dont il disposait par rapport aux autres activistes sur la toile, ben, aujourd'hui, on peut se demander comment, étant aux États-Unis, il peut être un acteur du mouvement patriotique si il n'avait pas des acquaintances avec ceux-là qui préparaient le coup d'État.
Avez-vous été en contact avec le MPC, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration? Certains, aux premières heures, avaient également estimé que M. Ibriga faisait partie, en tout cas, du mouvement. Est-ce que on peut avoir une clarification? Vous avez eu la clarification. La preuve, c'est qu'au moment où on a appelé les membres du mouvement, vous n'avez pas vu M. Ibriga parmi les civils qui du mouvement. Non. Et je l'ai découvert sur la toile comme vous, où on dit que Jia, Jeune Afrique, dit que c'est nous qui susurrons avec le docteur Assablaga, c'est nous qui susurrons à l'oreille du lieutenant-colonel Damiba. Alors qu'à l'époque, j'avais rencontré le lieutenant-colonel Damiba qu'une seule fois lors de l'entretien qu'il a eu avec les présidents d'institutions. Et à l'époque d'ailleurs, j'étais souffrant. Bon, donc je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé cette information. C'est après que, à sa demande, j'ai été reçu et nous avons échangé sur les points concernant la situation nationale. Je lui ai donné mon point de vue. Voilà la situation en ce qui concerne la relation dont on parle de Luc Marius Ibriga avec le mouvement patriotique pour la sauvegarde. Et ça se limite à cela? Oui, pour l'instant. Mais est-ce que le docteur Ibriga pourrait s'engager à accompagner le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, justement dans cette œuvre de refondation qui est annoncée? Tout dépend de l'axe et des orientations qui seront faites. Si le mouvement patriotique tel qu'il l'annonce dit qu'il va mener une lutte résolue contre la corruption, ben, il est certain qu'ils me trouveront à leur côté. Mais si je considère que des points de l'action du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration de mon point de vue, ne vont pas dans le bon sens, je le dirais haut et fort. Parce que, de ce point de vue, il faut éviter que dans des situations où notre pays se trouve à un carrefour, que tout le monde manie l'ascensoir. Tout le monde devient turiféraire et on dit oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, jusqu'à ce que on tombe dans le trou et on dit, ah oui, bah voilà, on leur avait dit que... Donc, de ce point de vue, il faut le langage de vérité. Si on veut véritablement lutter contre la corruption, installer la bonne gouvernance, permettre la dépolitisation de l'administration et faire en sorte que les populations retournent dans leur terroir, ok, je crois que tout Burkinabé doit s'engager pour cela. Mais ça suppose aussi de la discipline et que les Burkinabés doivent s'attendre aussi à ce que leur action ou leur comportement incivique soit sanctionné aussi de la manière la plus ferme. Alors, M. Ibriga, le président Damiba l'a annoncé, il s'est engagé, bien sûr, à montrer l'exemple, à gouverner par l'exemple, déjà loin des fastes des temps de paix, je reprends ces mots. Alors déjà cet engagement, est-ce que vous pensez que aujourd'hui dans ces symboles-là, c'est quelque chose d'important dans l'œuvre qui est en train d'être menée? Oui, c'est une orientation, mais je dis attention aussi, attention à ne pas tomber dans le populisme. Parce que c'est vrai, on peut vivre loin des fastes, de ce qu'on appelle les fastes du pouvoir, mais il faut éviter de faire croire aux citoyens que le président du Faso, il vit sobrement, etc. Mais en tant que président du Faso, tout ce qui l'entoure et tout ce qui est utilisé pour assurer sa sécurité et tout, ça a un coût. Et ça, ce n'est pas un coût que l'on peut dire, bon, on va le réduire. Donc, il faut, par rapport à l'administration, il faut éviter de vouloir faire du populisme en
disant oui, telle chose, on peut le faire, il n'y a pas besoin des choses, etc. Alors que ceux qui sont appelés à le faire doivent faire les sacrifices. S'il y a sacrifice à faire, ce sacrifice doit concerner tout le monde. Il y a l'exemplarité, oui. D'ailleurs, c'est un des principes, des exigences principielles que nous avions soulignées dans la note de recommandation que nous avions remis au chef de l'État par rapport à l'opération main propre. Nous avions dit, il faut que l'exemple vienne d'en haut. Maintenant, attention pour éviter d'aller dans un emballement comme ce qu'on a connu au temps de la Révolution, où en voulant, si le chef veut vivre de façon spartiate, il amène la population dans des comportements où il y aura plus une réaction d'opposition qu'une réaction d'adhésion. En tout cas, le président Damibal a dit également, ils ne sont pas dans une logique de révolution. Je pense que c'est l'un des messages également que les gens ont retenu de cette adresse à la nation à l'issue de sa prestation de serment. Mais Monsieur Ibrigam, on va aller sur la corruption. Aujourd'hui, le président en fait une priorité, bien sûr, à côté de la question sécuritaire. Alors, comment on peut aller vite? Parce qu'il y avait déjà une opération main propre qui avait été lancée, annoncée en tout cas après Inata par l'ancien président. Aujourd'hui, comment on fait pour aller vite sur cette question de la lutte contre la corruption, non seulement pour vider les dossiers qui sont là, mais également certainement pour aller plus vite dans peut-être les audits et autres? Non, pour aller plus vite, je pense qu'il y a d'abord des questions de ressources humaines, que ce soit au niveau de la SELC ou que ce soit au niveau de la justice. Il y a la nécessité de mobiliser des ressources humaines pour non seulement réunir les preuves ou affiner les enquêtes, mais également pour juger. Il y a un problème de ressources financières. Parce qu'aujourd'hui, si on doit faire des audits dans les grands secteurs de l'État pour véritablement, que ce soit l'armée, que ce soit un certain nombre de grands secteurs de l'administration, ça suppose que cela se fasse sous la supervision de la SELC, mais qu'il y ait le concours de personnes extérieures, d'experts extérieurs, pour que l'on puisse avoir des résultats probants. Et cela, ça suppose des ressources. Si vous voulez qu'on juge les affaires, ça suppose que vous transformiez le rythme des audiences. Et comme on l'a fait dans le cadre de la fraude du carburant, on a fait en sorte que le tribunal siège de façon permanente, alors que normalement c'est une audience par semaine. Donc cela a un coût qu'il faut supporter. Si on veut faire casier vide, ça veut dire que les dossiers qui vont faire, il faut que les formations soient organisées pour siéger sans désemparer, afin qu'on puisse véritablement avoir des résultats. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient déjà en cours, notamment donc dans l'opération Mes Propres que vous étiez en train de conduire? Oui, nous avions fait un certain nombre de recensement dans le cadre de nos rapports, etc. D'ailleurs, nous l'avons refait et nous l'avons remis au président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration. Et nous attendons les réactions pour lancer cette opération. Nous avons dit ce que nous pensons, là où il faut agir et comment on va opérer. Et il y a la possibilité de le faire. Encore faut-il que au discours soit associé l'action et les moyens. La dépolitisation de l'administration, qui va être systématique également, en tout cas c'est l'engagement que le président du FASO, Damiba, a également pris. Alors comment on peut faire cette dépolitisation de l'administration?
Je pense que à ce niveau, il y a un point qu'il faut souligner et pour dire au MPCR qu'il faut qu'il fasse attention. On ne peut pas parler de dépolitisation de l'administration avec des mouvements qui demandent à ce qu'il y ait des manifestations pour soutenir les MPCR. On rentre dans une logique qui n'est pas une logique de dépolitisation. Mais celle-ci, c'est des réactions spontanées, M. Briga. Bon, non. On sait bien comment les manifestations de soutien ne sont aucunement des manifestations spontanées. D'autant plus que là, venant après près d'un mois, ça veut dire que c'est quelque chose de très organisé. Et surtout quand on prétend que ce sont les forces vives qui organisent cette manifestation. Ces forces vives viennent d'où? Est-ce qu'on a consulté toutes les forces vives pour qu'elles soient d'accord pour dire qu'on va organiser? Donc, ça c'est déjà quelque chose qu'il faut bien maîtriser parce que la tendance est à vouloir entendre un son de cloche qui vous est favorable. Et ça, ça ne peut pas aller dans le sens de la dépolitisation de l'administration. Est-ce que c'est possible déjà? Pour la dépolitisation de l'administration, c'est possible. Il y a des règles dans l'administration. Ce sont ces règles qui ont été foulées aux pieds. Par exemple, il y a des règles par rapport à la nomination des secrétaires généraux des ministères qui dit que c'est parmi les cadres les plus anciens, dans le grade le plus élevé, qui assure cette fonction, puisque c'est une fonction technique. Le ministre peut avoir son directeur de cabinet qui, lui, est politique. Il y a des règles pour la nomination des chefs de service. Mais c'est parce que toutes ces règles n'ont pas été appliquées que l'on se retrouve dans la situation de la politisation. Donc, cela suppose que on reprenne dans les ministères les fiches de poste, etc. Et qu'il y ait le profil qu'il faut pour tel poste. Et si la personne ne remplit pas le profil, il ne peut pas occuper le poste. Parce qu'à parler de dépolitisation, si on ne fait pas attention, ça veut dire que quelqu'un qui aurait telle tendance ne pourrait pas occuper le poste, même s'il est compétent et autre, on dirait que non. Mais il faut que les différents postes, il y ait les profils. Par exemple, ce qu'on a fait pour le contrôleur général d'État, qui va bientôt entrer en fonction. Il va prêter cette serment bientôt. Bientôt, le jeudi prochain. Alors, il y a un profil qui est dessiné et des exigences qui sont demandées. Et donc, si vous remplissez cela, ben, vous pouvez postuler. Et donc, on ne voit pas pourquoi ce qui se passe par rapport à la désignation des premiers responsables, on laisse le pouvoir discrétionnaire s'appliquer là où il n'aurait pas lieu de s'appliquer pour le bon fonctionnement de l'administration. Donc, pour vous, l'application des textes pour pouvoir donc dépolitiser l'administration, oui. Comme a été annoncé. Il y a la question de la restauration de l'autorité de l'État. Vous l'avez évoqué tantôt avec l'incivisme qu'il y a. On voit à quel point aujourd'hui les Burkinabés, pour la plupart, sont dans la défiance de l'autorité. On a l'impression que c'est devenu le sport favori, que ce soit sur les réseaux sociaux ou véritablement aujourd'hui, on a l'impression que plus rien n'est respecté. Comment aujourd'hui restaurer l'autorité de l'État? Oui, parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a la perte du sens de l'État. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a une tendance individualiste, en oubliant que la collectivité est la garantie de notre existence. Et c'est ça qui pose un problème et qu'il faut remettre en place. En quoi faisant, en durcissant le temps Je pense qu'il faut durcir les sanctions et sévir pour les violations flagrantes des règles que la société a mises en place pour son bon fonctionnement. On ne peut pas comprendre que tout le monde soit arrêté au feu et que des gens considèrent qu'eux, ils n'ont pas à s'arrêter au feu et ils viennent, ils passent.
dans ces situations, il faut que la sanction soit dissuasive pour amener les uns et les autres. Si l'État n'arrive pas à réinstaller son autorité, ça ne sert à rien de dire qu'on va opérer un changement de la lutte contre la corruption. Parce que ce sont ces comportements où on voit son intérêt individuel qui sont à l'origine de, du développement de la corruption. Monsieur Ibriga, la mise en place de la commission d'élaboration de la charte, 15 personnes commises à la tâche pour 2 semaines de travail. Alors, déjà, sur la forme, comment vous jugez cette décision-là? Non, je pense que de ce point de vue, la situation était différente, puisque en 2014, après l'insurrection populaire, c'est l'ensemble des forces vives qui ont décidé, notamment la société civile, puisque c'est la société civile qui est la première à réfléchir à une question de charte et qui a bataillé pour la levée de la suspension de la Constitution. Et donc, en ce moment, la rédaction de la charte a réuni l'ensemble des forces à l'époque, à savoir la société civile, les partis politiques, les religieux coutumiers et les militaires. Et la démarche était très participative puisque la commission technique travaillait la journée au niveau de l'institut de M. Ablassé Ouédraogo. Et le soir, chaque après-midi, elle rendait compte de son travail à l'Assemblée générale des forces vives et était discutée et il y avait des corrections, on repartait, on revenait. Donc il y avait un aller-retour incessant pour adopter la charte. Cette fois, on veut aller vite, c'est bien. Là, bon, je pense qu'ici, il y a une commission technique puisqu'il est prévu derrière qu'une adoption par les forces vives. Bon, je pense que ce qu'on a choisi, du point de vue du droit et du point de vue de leurs compétences techniques, il n'y a pas à redire. Il n'y a pas à redire là-dessus. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut éviter que à ces personnes, on ait donné comme mission de légaliser le MPCR. Non, il s'agit de mettre en place non seulement les institutions et le mode de fonctionnement de la transition, mais également l'agenda de la transition. Et c'est là aussi qu'il faut, je pense que c'est un plus par rapport à 2014, parce qu'à 2014, on n'a pas fixé un agenda à la transition. C'est au fur et à mesure qu'un certain nombre de réformes ont été impulsées, alors que là, si véritablement on s'accorde sur l'agenda de la transition, cela va éviter qu'on aille dans tous les sens. Pour vous, quel doit être cet agenda? Je pense que l'agenda, il y a 4 points fondamentaux. Il y a la question de la sécurité, il y a la question humanitaire, il y a la question de la bonne gouvernance de la lutte contre la corruption et il y a la question de la réforme des conditions de la compétition électorale. Il ne faut pas qu'on fasse comme en 2014 où il y a eu la transition et puis on est reparti comme si de rien n'était avec un système qui était le système ancien. Non, ici nous avons vu les dérives de l'argent roi dans la politique. Je pense qu'il y a lieu non seulement de rationaliser le système partisan, c'est-à-dire il faut limiter le nombre de partis. Non, on peut limiter le nombre de partis par rapport aux conditions de création de partis politiques. Vous pouvez être une association, vous pouvez être un club de réflexion, etc. Mais si vous devenez parti politique, vous avez des exigences. Prenez le cas au Ghana, prenez le cas au Nigeria, vous verrez que pour être parti politique, il y a des exigences très fortes qui font qu'il n'y a pas beaucoup qui se réclament de partis politiques. Il faut plafonner les dépenses de campagne. Ça, c'est un élément fondamental. Parce que ça ne sert à rien que l'État
finance les partis politiques pour la campagne électorale et que cela soit un tout pour certains partis et une goutte d'eau pour d'autres. Ensuite, il faut encadrer strictement le financement privé. Et pour ma part, je pense que par rapport à ce financement privé, il ne faut pas accepter que le financement privé se fasse directement aux partis. Il faut qu'il y ait un panier commun. Si vous, en tant qu'opérateur économique, voulez financer l'action politique, c'est ce que j'appelle le mécénat politique, vous donnez l'argent à l'État et en retour, l'État vous donne un dégrèvement fiscal ou vous donne un avantage. Mais, en ce moment. Mais est-ce que c'est réaliste? Parce que je suis un opérateur économique, je veux soutenir M. Ibriga, je ne veux pas soutenir un autre candidat. Ah non, en ce moment, si vous mettez de l'argent et que ce n'est pas l'argent en tant que militant que vous donnez, ben, en ce moment, vous devez justifier. C'est-à-dire, le parti politique, avec le plafonnement des dépenses de campagne, ben, se retrouvera dans la situation où il ne pourra pas utiliser cet argent. Alors, pour vous, dans quel délai tout cela pourrait se faire? Est-ce que c'est une transition de 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Non, je pense que si on parle d'une transition, on doit considérer que ça ne peut pas être quelque chose de long. Et donc, pour moi, c'est 2 ans, au maximum 3. Parce que, véritablement, quand on rentre dans une durée plus grande, les gens s'installent dans un confort. Alors que là, on a besoin d'une équipe de combat et de changement. C'est-à-dire des gens qui vont réfléchir pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que demain, le Burkina Faso aille mieux. Si ce n'est pas cela, ben on va rentrer dans des calculs politiciens et on va se retrouver dans la même situation. Alors, on a la question sécuritaire qui continue bien sûr d'être préoccupante. On a l'impression actuellement que les groupes terroristes multiplient, en tout cas les actions contre les civils. On voit des pylônes de communication qui sont détruits ça et là, des mairies incendiées et tout cela. Donc l'insécurité aujourd'hui, bien sûr, c'est la priorité des priorités. Le MPSR a déjà annoncé les couleurs à travers un certain nombre de réformes, de dispositifs de lutte contre cette insécurité. Comment vous jugez déjà cette prise en main de la question sécuritaire du MPSR? Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité, donc je ne peux pas apprécier l'efficacité des mesures qui ont été adoptées, mais déjà il y a des modifications, je suppose, venant d'hommes de terrain qui connaissent la question, ils ont pris les bonnes décisions. Mais ce que je sais seulement, c'est que c'est le point névralgique par rapport à leur avenir. S'ils ont des résultats sur le front de l'insécurité, il est certain qu'ils sortiront de la transition en héros. Et peut-être qu'ils auront un avenir au Burkina. Mais si la question continue de perdurer, il est certain que la fronde sociale risque de reprendre dans la mesure où les uns et les autres, et notamment dans les différentes chapelles politiques, vont reprendre de manière souterraine leur activité et le climat risque d'être tendu. Monsieur Ibriga, la question des partenariats aujourd'hui, Barkhane se retire du Mali, la décision est actée. Quelle lecture vous faites de cette situation? D'abord, on a vu toute cette tension dans les relations entre le Mali et la France, qui les uns et les autres ne passaient plus par des canaux diplomatiques pour exprimer leur désaccord. Finalement, Barkhane se retire du Mali. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que ça peut donner l'occasion peut-être d'une nouvelle reconfiguration plus efficace dans la lutte contre le terrorisme? Non, je pense que cette situation est en fait l'expression d'un manque de cohérence de la diplomatie française. Un manque de cohérence, pourquoi?
Parce que ce que l'on accepte d'un côté, on le refuse aux autres. On a adoubé un coup d'État au Tchad, on a adoubé un troisième mandat en Côte d'Ivoire, et on considère que les militaires qui sont au Mali ne sont pas légitimes. Un discours qui n'est pas cohérent. Ensuite, c'est la condescendance qui a amené les autorités maliennes à surfer sur la fibre patriotique au niveau du Mali pour qu'on en arrive là. Parce que vous ne pouvez pas regarder les gens d'en haut et vous poser en donneur de leçons, alors que vous-même, dans votre pratique, vous n'êtes pas dans la droite ligne. Aujourd'hui, le Mali a exprimé la volonté d'user de sa souveraineté. Barkhane est parti. Le Mali va assumer toute sa responsabilité. Est-ce que Barkhane a été un échec pour vous? Ben, disons que du point de vue des résultats, quand on regarde du point de vue des résultats, non, ce n'est pas un succès. Ce n'est pas un succès dans la mesure où il se trouve que Barkhane est dans ce développement une opération dans laquelle les souverainetés nationales des États sont en deçà. Quand il s'agit d'intervenir au niveau du Burkina ou du Mali, ce n'est pas l'autorité nationale qui demande pour que les Barkhane interviennent. Il faut que cela soit accepté par l'État français pour que Barkhane intervienne. Le partage des informations, des renseignements, il sait que la France a des satellites et autres, qui aurait pu nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Est-ce que le MPSA, parce que le président Damiba a dit qu'il est ouvert, bien sûr, à tous les partenariats dans le respect mutuel, est-ce qu'il faut revoir le partenariat avec la France dans la lutte contre le terrorisme? Ah, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut que les exigences soient posées. Parce que si on dit partenariat, ça suppose que ce soit gagnant-gagnant. Et donc, à ce niveau, ça suppose que le Burkina Faso ait la possibilité d'explorer toutes les pistes qui peuvent lui permettre de recouvrer l'intégrité de son territoire. Maintenant, ce que j'affirme aussi, il ne s'agit pas de chasser X pour le remplacer par Y, de chasser un impérialisme ou un néocolonialisme. Chasser la France pour aller avec la Russie. Non, il faut, et ça il faut le dire, il faut que les Burkinabés, que les Sahéliens le sachent, c'est eux qui seront les auteurs de leur libération. Les autres ne peuvent que leur venir en appui. Mais considérer que d'autres vont venir mourir pour que nous puissions jouir de l'intégrité territoriale de notre pays, ça c'est une erreur. Et c'est de considérer que s'ils viennent et qu'ils peuvent mourir, c'est parce que il y a des intérêts de la France, il y a des intérêts de la Russie, il y a des intérêts de la Turquie. Clairement affichés, parce que ce qu'on reproche à la France, c'est ça, c'est de toujours donner l'impression qu'elle n'a aucun intérêt dans les interventions, je veux dire des intérêts bien sûr de nature économique. Contrairement par exemple à d'autres partenaires, Wagner, on a dit, la Russie, voilà la contrepartie. Ici, ce qu'on reproche, c'est le manque de clarté également. Oui, parce que c'est le propre de la diplomatie française de toujours louvoyer, pour dire oui, c'est un appui humanitaire et autres. Et c'est pour cela que la jeunesse a répondu à Jean-Yves Le Drian en lui disant, ben, tu as la mémoire courte. Rappelle-toi, si les tirailleurs sénégalais n'avaient pas été là lors des deux guerres mondiales, on ne sait pas si aujourd'hui la France aurait son intégrité territoriale. Si les Américains n'étaient pas intervenus, je ne sais pas si vous auriez eu l'intégrité territoriale. Donc il ne faut pas mettre dans la balance le fait que des soldats français soient tombés pour le Mali. Ils sont tombés pour les intérêts de la France. Et si la France est au Mali, si la France est au Sahel,
c'est parce qu'il y a des intérêts et qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre les puissances dans la prise de pied au Sahel. Le procès Sankara, qui a été interrompu juste quelques jours après, bien sûr, le coup d'État avant de reprendre, les réquisitions ont été faites avec en tout cas 30 ans de prison requis, notamment donc contre l'ancien président Blaise Compaoré, contre Hassène Kafando, 20 ans requis contre le général Diendéré et d'autres accusés. Alors comment, quelle est la lecture vous faites, quelle est la lecture que vous avez de ce procès-là et de toutes ces réquisitions qui ont été prises? Non, ce procès, je pense, nous devons la prendre comme étant un enseignement. Un enseignement pour montrer que on ne peut pas impunément attenter à la vie des autres sans, dans le cadre de la résolution de problèmes politiques. Et je crois que ça a été une bonne chose que le MPCR ne parte pas, commence pas sa présence avec des questions de sang sur les mains. Parce que c'est quelque chose qui vous rattrape toujours. On a l'impression, quand on est au pouvoir, que c'est quelque chose qui est derrière nous. Or, c'est une leçon de la vie que ce procès nous donne. Ensuite, c'est une leçon pour montrer qu'il faut que dans la défense des droits de l'homme et des droits des individus, on soit persévérant. Parce que ce procès est intervenu près de 30 ans après. D'aucuns pensaient qu'il n'arriverait jamais. Maintenant, attendons le verdict final. Là, ce ne sont les réquisitions du parquet. Attendons le jugement final. Mais je le prends sous forme d'enseignement pour les Burkinabés et pour ceux qui ont une ambition politique de considérer que c'est une leçon. Il faut respecter toujours la vie humaine. Pour finir, M. Briga, avez-vous foi en l'avenir? Oui, oui. Et tant que s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de vie. Dans la mesure où je pense que les Burkinabés et nos grands-parents, nos aïeuls nous ont montré que dans l'adversité, ils se sont toujours dressés et ils ont gagné. Nos grands-parents nous ont montré qu'il était possible de construire une démocratie en ayant une administration dépolitisée. Le cas de la Misana est là pour nous le montrer. Et donc, il y a espoir, il y a espoir. Mais pour cela, ça suppose que nous prenions conscience qu'actuellement, nous sommes au fond du gouffre. Et comme disait Stanislas Adotevi, maintenant que nous sommes au fond du gouffre et que nous ne pouvons pas descendre plus bas, qu'est-ce qui nous reste? C'est le sursaut et l'orgueil pour sortir et nous montrer à la face du monde. Ça va être le mot de la fin. Madame, Monsieur l'invité ce soir est bien le docteur Luc Marius Ibriga, juriste, enseignant, chercheur, contrôleur général d'État à l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'AICELC. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.